Tout de suite, le guignol d'RTCI. Vendredi 13 novembre, bonjour. Aujourd'hui, on accueille le secrétaire général de l'UGTT, Hussein Abbassi, Rached Elkanouchi et Elesh Mielamdi. Voilà donc, le bureau exécutif élargi de l'UGTT a décidé hier d'une série de grèves régionales dans le secteur privé. La région de Sfax sera la première à vivre une grève régionale le 19 novembre 2015. Par suite, le 25 novembre, la grève sera menée dans le Grand Tunis. Le 26 novembre, ça sera au tour de Nabeul, de Zagouane, Sousse, Monastir et Madia. Le 27 à Bizerte, Béjar, Gendouba et Le Kef. Le 30 novembre, la grève s'installera à Siliana, Kérouan, Sidi Bouzid et Kasserine. Le 1er décembre, c'est au tour de Médine, Gabès, Tatouine, Tozer, Gafsa et Kibéli. Je me demande si c'est une grève ou une tournée du roi de la comédie en Tunisie, Lamine Ennahdi. On commence donc par le secrétaire général de l'UGTT, M. Hussein Abbassi. Bonjour. Bonjour. Pensez-vous que cette série de grèves va réussir à faire changer d'avis Mme Bouchemaoui ? Ça veut dire en français, l'UGTT a décidé de faire une série de grèves. Et si ça réussit pas, au moins ça nous aura fait des vacances. Ah, d'accord, je comprends. La suite. Et on accueille maintenant le parrain. Bonjour. Bonjour. Salam alaikum wa rahmatullah. Que pensez-vous de cette série de grèves? Mais je m'en fous, moi, de cette série de grèves. Moi, j'ai peur de ce qui pourrait arriver aujourd'hui. Vous avez peur de ce qui peut arriver à la mosquée Sidi Lakhmi de Sfax, c'est ça? Non, aujourd'hui est un vendredi 13. Ah oui, vous aussi vous avez peur du vendredi 13. Je n'en crois pas mes oreilles. Allez, la suite! Et on finit avec Elesh Mielamdi, bonjour. Yanni, bonjour. Good morning. Est-ce que les militants de votre parti vont participer à cette série de grèves? Of course que oui. Yes, we can. Yanni, on va en profiter pour parler sur Skype et organiser notre prochaine série de manifestations, manifestations in the hood. Et ça sera où? Une devant le parc du Club Africain, car ils ont refusé mon CV quand j'ai postulé pour le poste du président du Club Africain. Et je considère ça comme injuste. Hadi mahsoubiya. It's not fair and square. Zaymangoulou fi London. Une devant le parc de l'Étoile, for the same reason. Et la dernière sera devant le Stamford Bridge, le stade de Chelsea, parce qu'ils ont refusé que je devienne entraîneur de Chelsea à la place de Mourinho. Pour la dernière manif, je serai personnellement présent pour vous soutenir à devenir entraîneur des Blues, car je suis fan du Manchester United. Allez, ciao et bon week-end!